Si je vous dis que plus de 73% de la production d'électricité française est d'origine nucléaire, généralement, ça ne plaît pas trop, ça. Je comprends pourquoi. Nous connaissons tous les problèmes liés aux centrales nucléaires actuelles. Maintenant, si je vous dis qu'il existe d'autres recherches dites nucléaires qui ne présentent aucun danger et qui pourraient fournir de l'énergie propre en quantité quasi infinie. Trop beau pour être vrai ? Et pourtant, dans les centrales nucléaires actuelles, l'énergie provient de la séparation d'un noyau atomique en deux. C'est la fission nucléaire. Mais une autre réaction existe qui consiste à forcer deux noyaux à se percuter pour n'en former plus qu'un. C'est la fusion nucléaire. La fusion dégage trois fois plus d'énergie que la fission. Moins de 10 grammes de combustible pourraient fournir toute l'électricité dont un consommateur tel que vous aurait besoin durant toute sa vie. De plus, alors là, tenez-vous bien, elle n'ajoute pas de radioactivité et surtout, ce n'est pas une réaction en chaîne qui peut s'emballer et provoquer ce qui s'est passé, par exemple, à Fukushima. Par contre, le problème de la fusion, c'est que c'est une réaction très difficile à provoquer. Elle n'existe pas spontanément sur Terre. En fait, c'est la réaction qu'il y a à l'intérieur du Soleil. Conclusion, pour avoir la fusion, il suffit de recréer un Soleil en laboratoire. Facile ? Eh bien oui, ça c'est justement ce qu'on sait faire. À l'aide de lasers très puissants, on peut créer de la matière dans des conditions extrêmes et monter à des dizaines de millions de degrés, comme dans le Soleil. Mais une fois cette matière créée, il est nécessaire de bien comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur pour pouvoir contrôler la fusion. C'est là que j'interviens. Plus précisément, l'objectif de ma thèse est d'étudier tous les processus qui se produisent entre les atomes et les électrons présents à l'intérieur de cette matière créée par le laser. Et pour faire ça, on va faire parler la lumière, c'est-à-dire placer des détecteurs autour de cette matière extrême pour enregistrer toute la lumière qui y est émise ou absorbée. Ensuite, on va traiter cet enregistrement pour découvrir le message caché derrière. Car toute la lumière, tous les rayonnements qu'on va détecter correspondent à un ou plusieurs processus atomiques qui se sont produits à l'intérieur de notre soleil de laboratoire. En fait, c'est comme si quelqu'un de très loin de vous cherchait à vous expliquer ce qu'il est en train de faire. Bien sûr, vous ne pouvez pas l'entendre. Par contre, vous pouvez voir les signaux lumineux qu'il vous envoie. La seule chose, c'est qu'il faut que quelqu'un soit capable de comprendre ces signaux. C'est moi. Je tiens quand même à signaler que ça fait un moment maintenant qu'Iron Man utilise la fusion comme source d'énergie pour son armure. C'est dommage que soit le seul à en profiter. Alors je ne dis pas que le but de la fusion, c'est de recréer Iron Man. Non. Ce que je dis en revanche, c'est qu'il y a 7 milliards d'êtres humains sur cette Terre qui consomment de l'énergie. De plus en plus d'énergie que nous ne pourrons bientôt plus fournir. La fusion nucléaire, elle le pourra.